Et tu sais, j'ai produit un son pour le Père Noël, mec. Oh, trop bien, ouais. Mais j'ai jamais vu un lutin noir, en fait. C'est parce que je viens du pôle sud, mon frère, en bas. Oh, trop bien. Bonjour, messieurs les lutins. J'ai une lettre pour le Père Noël. Mais qui l'a écrite, en fait? C'est Carmine. Mais mes frères, c'est qui, Carmine? Je sais pas, mec. Je sais pas, je dois juste donner la lettre au Père Noël. Bon, bah, ok, on va aller l'amener au Père Noël. On y va. Il y a beaucoup de travail. C'est quoi ce truc? Père Noël, Père Noël, on a une lettre pour vous. Ah, vous voilà. D'accord, et c'est qui l'a écrite? C'est Carmine. Oh, mais c'est l'autre pélo qui fait des vidéos. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre? Ben, dans la lettre, il dit que Noël n'existe pas et qu'il croit pas en vous. Comment? Il a dit ça? Ouais. Il va voir si j'existe pas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien, parce qu'on s'approche gentiment de Noël. Ho ho ho. Ah, j'adore cette ambiance de Noël. On dirait que tout le monde est heureux. Armando, joyeux Noël. Ah merci. Ah ouais Fabio, je t'ai aussi fait un cadeau, joyeux Noël. Merci Armando pour le cadeau. Et Carmine, j'ai aussi un cadeau pour toi mec, et joyeux Noël. Oh sérieux, c'est pour moi? Merci beaucoup hein. Enfin presque. Alors déjà pour commencer, en général, les gens avant Noël, ils vont commencer à décorer leur maison. Alors après, tu as les gens qui décorent leur maison, comme dans les films. Et tu as la décoration de chez moi. C'est magnifique, regardez ça les amis, le sapin Noël. Mec, les guirlandes et les cadeaux, ils sont où? Quel guirlande? Quel cadeau? Putain, mais quel con lui! Fallait acheter quelque chose. Tu sais, dans les films, c'est toujours abusé. Genre, le mec, il décore toute sa maison, et une fois qu'il branche la prise, ça donne ça. Il y a des enfants qui nous font rire. Et sotto l'albero i regali. Et moi, j'ai trouvé ça super joli, donc j'ai essayé de faire pareil, sauf que ça n'a pas donné la même chose. Eh oui, qu'est-ce que serait Noël sans toutes ces couleurs, ces décorations, ces cadeaux? En parlant de cadeaux, ma grand-mère, elle m'offre toujours ce vieux pull en laine que tu mettras jamais, mais que tu mets quand même le jour de Noël pour lui faire plaisir. Sauf qu'en général, ce pull, c'est un pull qui va te gratter. Joyeux Noël, Carmine! Ah, bah... Merci. Carmine, tu mets pas le pull? Ouais, je sais pas, mais je le mettrai peut-être demain. Tout la mets maintenant! Maintenant, t'es jolie, hein? Ouais, c'est vrai, c'est... C'est joli. Excusez-moi, monsieur, mais pouvez-vous me gratter d'eau? Oui, c'est oui, possible? Oui. Ah, merci. Ah, ah ouais. Ça va ah, comme ça? Ah oui, très bien. Et tu sais ce que la meuf, elle lui a dit? Non. Plus bas. Ah oui. Ah, ça fait du bien. Ah. Bref, par rapport à la meuf. Ouais, donc tu disais. Il y a un truc que je m'en souviens quand j'étais petit, c'est que mes parents, ils utilisaient toujours Noël pour que je sois sage. Carmine, si tu es sage, le Père Noël va t'amener un cadeau. Et je m'en souviens que si je refusais d'être sage, ma mère, elle avait toujours le bon mot pour me convaincre de devenir sage. D'accord. Et si je veux pas? Eh ben, ce sera le Père Fouettard qui viendra te chercher. Bah voilà, t'as 365 jours pour être sage. Sinon, c'est le Père Fouettard qui viendra te chercher. Non, mais je veux dire, c'est vrai que les parents ils utilisent souvent Noël comme excuse pour que leur enfant soit sage. Alors en général, 3-4 jours avant Noël, ça fonctionne. Les enfants se lèvent, c'est l'heure d'aller à l'école. Oui, Carmine. Bon, les enfants, on met la ceinture? Oui, Carmine. C'est bien. Bon, les enfants, c'est tard. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Carmine.
Mais après Noël, c'est fini jusqu'à l'année prochaine. Bon, les enfants, faut aller à l'école maintenant. Non, j'ai pas envie d'aller à l'école. Bon, les enfants, faut mettre la ceinture là. Non, non, oui, j'ai pas envie. Mais attends. Hé hey, non. Tu mets la ceinture sinon j'arrive. Comment derrière. Tu parles. Tu veux pas mettre la ceinture? Non. Ok, bah j'arrive derrière. J'arrive. Bon, Nathan, mets-toi là-bas. Qui va la mettre? Et voilà. Pourquoi Edwin, il est au volant? Quoi? C'est parti. Je veux pas aller dormir. Ça suffit maintenant. On se couche. Toi aussi. D'accord. Ah, et avant de continuer, je voulais juste m'arrêter deux secondes parce que j'ai fait un petit cadeau à Simba. J'espère que ça va lui plaire. Simba, tiens, c'est un cadeau pour toi. J'espère que t'es content. Il a l'air content. Eh sérieux, vous kiffez mon sapin de Noël? Il est joli, non? Ah puis regardez, j'ai aussi la crèche. Alors ça, c'est des gens que je connais pas. Et puis le bébé au milieu, bah c'est moi. Non, je déconne, c'est Jésus en fait. Alors voilà. Allez, reprenons. Puis tu sais, pendant Noël, t'as toujours un mec qui va se déguiser en Père Noël pour faire plaisir aux enfants. Ho ho ho, bonjour les enfants! Joyeux Noël! Dis merci. Merci Père Noël. Je t'en prie, petit. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux lui tire la barbe. Monsieur le Père Noël, ça fait quoi si je vous tire la barbe? Non, ne tire pas la... Mais en fait, vous êtes pas le vrai Père Noël. Ben en fait, non, c'est pas moi le Père Noël. Chiffre Charles Noël, c'est même pas toi le vrai Père Noël. Alors, il est où le vrai Père Noël, hein? Je te jure, je sais pas. Bon, bah tant pis alors. Oh. Je le trouverai moi-même. Alors, le truc que je détestais le plus à Noël, c'était les calendriers de Noël. Là où tu devais attendre le lendemain pour avoir le chocolat. Mais en général, t'as toujours quelqu'un qui le mangeait avant. Alors, on est le 11. J'espère qu'il y a du chocolat. Putain, il est où? C'est moi qui ai le chocolat. Non! Oh, c'est bon, tu peux attendre jusqu'à demain. Mais tu m'as déjà dit ça hier! Et voilà, ma vidéo est finie, j'espère que vous l'avez grave kiffé. En tout cas, si vous voulez me faire un cadeau pour Noël, c'est facile. Abonnez-vous à ma chaîne. Ah, on a sonné à ma porte, je reviens. Excusez-moi, mais vous êtes qui, vous? Alors, petit, comme ça, tu crois pas au Père Noël? C'est vous le Père Noël? Représente le pôle Nord, le quartier des glaciers, petit papa Noël. Ok, je suis le Père Noël et je débarque du ciel. Préparez vos guirlandes, on arrive en bande. On perd pas le Nord car on vient du pôle Nord. Noël, tu peux pas tester car c'est nous les best. On vient avec nos sacs à dos. Sac à dos. Rempli de cadeaux. Cadeaux. Et pour les parents qui ont des enfants chiants, si vous en pouvez plus, pouvez plus, et que vous en avez marre, ne vous inquiétez pas. Il y a le Père Fouettard pour ça. Il y a le Père Fouettard. Père Fouettard 1. Yeah. Père Fouettard 1. Yeah. Père Fouettard 1. Père Fouettard 1. Ouais. Je suis le Père Fouettard, barbu comme un barbare. Je punis les enfants qui veulent leur rentrer tard. Habillé en noir, j'aime bien la bagarre. Reste chez toi si tu veux pas un œil au beurre noir. Oh. Papa Noël, c'est le Père Fouettard, barbu comme un barbare. Il punit les enfants qui veulent rentrer tard. Habillé en noir, il aime bien la bagarre. Reste chez toi si tu veux pas un œil au beurre noir. Oh. Si toi aussi t'aimes Noël et que tu veux pas que le Père Fouettard débarque chez toi,
Alors sois gentil, abonne-toi à ma chaîne, mets un like à ma vidéo et partage-la. Son Beats. Ah, et en fait, joyeux Noël!